Ambiance studieuse au Goffman Secondary School of Tombelle ce 16 avril 2024. L'école a commencé aujourd'hui. Dans les salles de classe, élèves et enseignants sont présents. Tout est mis en place pour que les choses se passent dans de bonnes conditions. Malgré cette belle atmosphère, seulement 50% des élèves répondent présents à l'appel. Le constat est le même dans la plupart des établissements scolaires de la localité. Un fait dû à la situation sécuritaire qui prévaut dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun. Certaines écoles sont restées fermées, mais nous pensons qu'elles ouvriront dès la prochaine rentrée scolaire. Une situation qui préoccupe les autorités administratives qui appellent les populations à la collaboration avec les forces de maintien de l'ordre. Nous demandons aux populations de continuer à collaborer avec les autorités pour que nos enfants partent à l'école. Précisons que cette rentrée scolaire intervient deux jours après l'explosion de plusieurs fûts de carburant frélaté stockés dans un domicile de la localité, réduisant en cendres de nombreuses maisons et voitures. Tous ceux qui sont impliqués dans la vente illicite du carburant doivent savoir que c'est dangereux. Nous avons commencé à les sensibiliser et des mesures seront prises contre ceux qui conservent ces carburants de contrefaçon dans leur domicile. Tombelle fait partie des localités du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui font régulièrement face aux attaques des combattants séparatistes. Une situation qui dure depuis bientôt 8 ans.